Eh bien bonjour tout le monde, c'est Emeric et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Plus ou Moins. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, très longtemps. Et donc le principe de ce jeu c'est de deviner, en fait on va avoir deux personnes ou deux objets et on va savoir lequel de ces deux objets fait le plus de recherches. Donc en fait c'est plus ou moins. Après on a un autre quiz, c'est un quiz où il va falloir deviner. Je vais vous montrer le site qu'on va faire après. Il va falloir deviner les titres. En fait, ils nous mettent une photo et on a quatre propositions de titres. Et donc, on fait... voilà, on clique sur ce qui nous semble bon. Donc, je sais que NatWord l'a fait. Hein, voilà, donc je le salue au passage. Mais j'avais aussi l'idée de le faire aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais je ne pense pas parce qu'on est un peu partenaire. Donc, voilà, si tu passes par là, NatWord, voilà. Donc, moi, je vous propose qu'on commence par jouer. Et aussi, ça va être sûrement sortir ce soir. Donc, est-ce que le Spotify est plus ou moins recherché que la Chine? Moi je dirais beaucoup plus. Spotify c'est vraiment un site connu, voilà, 16 millions on va dire qu'il a et qu'il a vraiment 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 écrasé la Chine. Radio X qui est un groupe de rock, si je crois que oui c'est un groupe de rock, vous me direz, mais moi je dirais que c'est moins quand même que Spotify. Voilà, effectivement le vin, et ben écoutez, le vin, j'espère qu'il y a moins de personnes. Effectivement il y a moins de personnes. Donc l'escrime, je pense qu'il y a quand même plus de personnes. Eh bien non. La moyenne est de 3, tu es dans la moyenne. Eh ben écoutez, je suis dans la moyenne, donc c'est super. Position sexuelle, d'accord. Bon, les soldes, ils sont beaucoup plus recherchés. Ah bah, c'était quand même serré. Le tir à l'arc, moins. Je serais tenté de dire moins. Voilà. Ebola, je pense que c'est quand même plus. Effectivement. On va essayer de faire vraiment un super score. Sans score, vous le voyez en haut, là où je mets ma souris. Stanley Kubrick, je le connais pas. Je sais pas s'il est connu. Ben non, il était pas connu. Enfin, il est moyennement. Donc le score est de 3. Ben, on va rejouer, je vous propose, hein, de toute manière. Squeezie ou Thibaut InShape? Thibaut InShape, je pense qu'il est beaucoup moins connu. Mais il est connu pour la musculation. Les 10 commandements. Je pense que les gens regardent plus les 10 commandements. Eh ben non. D'accord, hein. Tu feras mieux la prochaine fois. Effectivement, Amsterdam, je pense qu'Amsterdam est le plus connu. Effectivement, avec 1 830 000 recherches mensuelles. Donc, je pense que cette vidéo va sortir ce soir. Donc, le lundi 30 janvier, bah, je vais quand même me dépêcher. Mais je pense que vous n'aurez pas la 1080p, vous aurez la 720p. Je m'en excuse. C'est parce que ça prend de la place. Donc, voilà. J'ai déjà essayé de le faire ce soir avec un peu de musique et donc normalement voilà. Il faut savoir aussi qu'il est très énervant en ce moment si vous entendez pas beaucoup de musique. Vous entendez de la musique mais le souci c'est que en ce moment ils sont tous en train de se faire copyright alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Donc je me suis pris beaucoup de droits d'auteur en fait comme ça. Et c'est quand même très énervant. Donc voilà. Est-ce que le tennis est plus recherché que Amsterdam? Je dirais moins quand même. 1 200 000, c'était serré. Est-ce qu'un coach sportif, je dirais moins. Il y a moins de personnes qui recherchent sur internet. Un serrurier, je dirais plus, effectivement. C'était quand même de loin. Je pense que le violon, il y a moins de personnes. Eh bien, c'était faux. 4, waouh, tu nous impressionnes. Oui, top 10, j'aimerais bien. Peppa Pig, ah ouais, il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent Peppa Pig. Hein. Ouais, on prend en compte, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, et je pense que c'est pas qu'en français, donc il doit avoir attiré beaucoup de monde. Je pense que la guerre du Vietnam a attiré beaucoup moins de personnes. Jigme, je pense que c'est plus, effectivement, que non, c'est moins, pardon. Et les churros, c'est trop bon les churros. Ah bah ouais, c'est trop bon les churros. Le selfie stick, moins quand même, non? Eh bien non. C'est la loose. Bon, on va essayer de se concentrer. Est-ce que Vienne est plus connu ou est plus recherché que Gillette, la marque de rasoir? Je dirais moins quand même. Effectivement. Pokémon, là par contre, tout le monde connaît, effectivement. Breaking Bad, je dirais moins. Oui. Location de voiture, je dirais moins quand même. C'est pas encore ce stat-là, Thibaut InShape. Je dirais plus quand même. Eh bien, c'était moins.
Effectivement, Bart Simpson et Mère Teresa. Je pense que Mère Teresa était moins connue. The Walking Dead, ça c'est une série américaine, ça doit buzzer. Ouais. Si je connais, hein. Bangkok, quand même moins. Ah, pas Bangkok quand même, Android. Je pense qu'il y a plus de personnes qui recherchent Android. Ouais. Real Madrid, désolé pour eux, mais. Wow! Pardon, pardon. Pour ceux qui aiment bien le foot. Par contre, ouais, c'est glauque. La mort. Maroon 5. J'espère que Maroon 5 est plus recherché que la mort, sinon ça deviendrait bizarre. La Turquie est moins recherchée pour moi. Effectivement, Roger Federer. Ah oui, d'accord. J'essaie de faire de bons scores quand même. Je regarde juste si c'est bien. Oui, effectivement, c'est bien. On va rejouer. La diarrhée. C'est en ce moment avec le gastro, grippe et tout, diarrhée, hein, n'en parlons pas. Bradley Cooper. Je pense que Bradley Cooper est plus recherché. Je connais pas. Perso, je connais pas la sangria. Psychopathe. Je recherche mon psychopathe quand même. Et la photo est vraiment bizarre. J'espère qu'il est plus recherché, lui. Ouais. Vole pas cher. Vole pas cher. Vole pas cher. Oh, Call of Duty, vachement au-dessus. Cannabis, j'espère que c'est moi. Ouais, merci. British Airlines, je pense que c'est plus. Eh, on commence à être bon, hein, théorie du complot, moi. Ouais, s'il te plaît, y a complotiste, hein, c'est bien beau, mais quand même. Lionel Messi, oui, au-dessus. Résultat des élections. J'espère qu'il y a plus de... Eh bien non, écoutez, 10 obtient un score de 15 pour être dans le top 1. Eh bien, écoutez, notre objectif, c'est le top 1. On va encore faire quelques parties, puis après, on va aller sur l'autre quiz. Le quiz que je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, avant de me lancer aussi, je voulais vous remercier, hein, excusez-moi de m'interrompre en plein jeu, mais vraiment, je vous remercie parce que je sais que la série Parc Inventé marche vraiment bien, en fait. Je pense que vous aimez vraiment ce type de concept, et donc, c'est encourageant par la suite, surtout qu'il y a une saison 2 qui va peut-être bientôt arriver. Enfin, quand je dis bientôt, ça va être question de moi, sûrement, le temps qu'on termine la saison 1. Et donc, sûrement, je vais vous expliquer ce qui va se produire. Voilà, donc voilà, encore un grand merci, hein. Voilà, ça peut peut-être, on va peut-être même prendre des personnes dans la saison 2, des guests qui vont construire sur des épisodes, mais on n'en est pas encore sûr, de toute manière, ne nous demandez pas maintenant, c'est pas encore ouvert, on ne sait pas. Mais pour la saison 2, ça va se passer comment? Ça va être sur un serveur dédié, il y aura des plugins, ça va être un vrai parc. Et donc, sûrement, y a, en dehors de tout ça, eh ben, il va y avoir la série Parc Aquatique, parce que il faut savoir que la vidéo, j'aime bien dire faut savoir, effectivement, que la vidéo la plus connue, la plus vue, à 12 000 je crois vues, 12 000, 13 000, eh bien c'est Parc Aquatique. Donc, Parc Aquatique, je pense que vous aimez bien ça, donc je vais sûrement construire un parc aquatique sur le serveur UnitCraft pour la saison 1, donc on va compléter le parc de la saison 1. Après, il y aura sûrement construction d'un zoo, mais ça, c'est encore beaucoup plus loin. Je sais que certains youtubeurs le font, mais sur PS4, mais je voulais le faire sur PC. De toute façon, je pense qu'ils sont d'accord. Hein. Voilà. Donc, je pense voilà, qu'il va y avoir construction parc aquatique, voilà. Puis après, dès que la saison 2 parc d'attractions sera finie, eh bien on entamera la saison 2 sur le parc d'attractions. Mais bon, ça, je vais expliquer plus en détail par la suite. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Edward Snowden. Est-ce que Alain Prost, il est plus connu? Je connais pas trop le nom, en fait. Ouais, voilà, je connais pas le nom. Enfin, je connais pas le nom. Uranus, d'accord. Pauvreté. J'espère que... Pauvreté, il y a moins de personnes qui recherchent Counter-Strike. Counter-Strike, j'arrive pas à le dire. Hôtel 5 étoiles. Moins de personnes? Oui, effectivement. Le Canada, j'espère qu'il y a plus de personnes. 1500. On est bien. Usain Bolt, quand même, s'il te plaît. Non. J'aurais dit si mon intuition. Et Gillette, je pense que Gillette est plus connu, personnellement. On va pas tarder à passer sur... C'est la dernière partie, après on passera sur le deuxième quiz. La robe. La robe, j'espère. Non. Bon, bah écoutez, on va passer sur le deuxième quiz. Alors, selon moi, quel est le titre de cet article Wikihow? Je pense que c'est ça, non? Mauvaise réponse. Comment découvrir ses talents? D'accord.
comment traiter une piqûre de scorpion, comment soulager la douleur de l'herpès avec des méthodes naturelles, comment éviter de rougir à des moments inappropriés, comment devenir célèbre. Moi, je pense que c'est ça. Bonne réponse, effectivement. Comment avoir un style hardcore, comment contrôler son addiction au porno, comment sécréter du lait, comment être cool au collège. Effectivement, comment avoir un style hardcore, comment sécréter du lait. Bonne réponse, d'accord. Et le sujet existe. Comment devenir... Quel est le titre de cet article? Voilà. Comment devenir astronaute? Comment changer de point de vue? Comment piéger les rats? Comment devenir pilote d'avion? Je dirais comment changer de point de vue. Et donc, c'est une bonne réponse. Comment discuter? Oui. Moi, je dirais ça. Pour mieux communiquer. Comment tomber amoureux et le rester. Mauvaise réponse. Comment améliorer sa voix pour mieux communiquer? Bah, écoutez... J'aime bien cette réponse. Comment éviter d'avoir les lèvres exercées, comment participer au sauvetage de la planète Terre, comment calculer la surface, moi je dirais ça. Comment calculer la surface d'un... Ouais, t'as vu la tête qui fait ? Là, il touche ses lèvres. Comment éviter la tentation du péché, comment faire passer le temps, comment éviter de rougir à des moments inappropriés, comment se lever tôt, non ? Et bonne réponse, tac ! D'accord, 57%. Quel est le titre ? Comment trouver un emploi chez Google? Comment trouver un emploi? Comment s'accepter en tant que fille ronde? Comment arrêter de regarder les seins d'une fille? Comment faire en sorte que votre enfant dorme? Moi, je dirais ça. Bonne réponse! Ça se voit. Comment faire un film pour adultes? Comment faire flipper les gens? Comment accélérer le train? Comment devenir célèbre sur Internet? Comment faire un film pour adultes? D'accord. Comment faire la folle avec votre petite amie, comment courir comme un ninja, comment porter des bras, comment découvrir ses talents. Mauvaise réponse, comment faire la folle avec votre petite amie. Bah tiens, quel est le titre de cet article, d'accord? Comment améliorer le moral, comment obtenir un certificat, comment accepter la traite, comment éviter de... Je pense que c'est ça, non? Comment accepter l'attrait de votre petite amie pour la pornographie, d'accord? Comment aider la digestion naturelle? Comment être lesbienne? Comment reconnaître une intolérance, pardon, au gluten? Moi, je pense que c'est ça, non? Mauvaise réponse. Comment aider la digestion naturelle? Bah, écoutez, je suis plutôt nul, là. Comment apprendre le chinois? Comment empêcher son chien de mâcher des objets? Comment soigner l'éjaculation précoce? Comment apprendre le chinois, s'il te plaît? En plus, c'est ça, hein? Comment survivre à des... C'est ça, non? Mauvaise réponse, comment devenir champion olympique? Ok. Comment devenir un hippie? Comment parler avec une voix plus grave? Comment être un... Je dirais espion. Comment devenir un hippie? D'accord. Comment faire disparaître un double menton? Comment avoir une meilleure vie sexuelle? Comment être unique? Comment rendre ton mec fou de toi? Comment être unique, là? Comment rendre ton mec fou de toi, d'accord, effectivement. Comment faire en sorte que votre enfant dorme dans son propre lit? Comment identifier une araignée? Comment dormir? Bon, pour moi, elle paraît bien, celle-là. Effectivement. Comment savoir si votre copine vous trompe? Comment rompre gentiment avec cette... Comment traiter une piqûre de scorpion? Comment restaurer la confiance de votre... C'est ça, non? Ouais. Faut essayer d'aller au-dessus des 50%, les gens. C'est mieux pour nous. Comment s'excuser? Comment rompre? Comment s'excuser? Comment exciter son copain? D'accord. Comment calmer un enfant contrariant? Comment survivre au collège? Comment être drôle? Comment devenir producteur de hip-hop? Comment être drôle? D'accord. Comment être drôle? Comment ressembler à une star X? Comment devenir un joueur de poker professionnel? Comment contrôler ses pensées négatives? Moi, je dirais ça. Effectivement, on va bientôt passer au-dessus des 50. Hein. Mm-hmm. Comment vous en faire? Comment savoir si quelqu'un est en train de mentir? Comment je dirais ça? Oui, on est au 50%. Comment gagner la confiance de son hamster? Comment devenir un joueur de poker professionnel? Comment faire des câlins? Comment maîtriser le combat au couteau? Bah, ce soir. Comment obtenir un certificat médical, non? Ouais. On connaît tous cette position. Comment faire passer le temps? Comment fumer dans la maison sans se faire prendre? Comment mettre
aux éjaculations nocturnes. Comment patiner? Moi, je dirais ça. Oui, d'accord. Comment faire des câlins? Voilà, comment savoir si on grandit? Comment empêcher son chien de mâcher des objets? Comment changer de point de vue? Mauvaise réponse. Comment empêcher son chien de mâcher des objets? D'accord. Empêcher son chien, voilà. Comment apprendre à votre chien? Comment éviter d'avoir les lèvres gercées en hiver? Comment tomber amoureux et le rester? T'es sérieux? Comment mettre fin à une érection? Ouais. Comment créer? Comment se débarrasser d'un bouton? Moi, je pense que c'est ça. Non. D'accord, effectivement, c'était le deuxième. Comment être convaincant? Comment croire en Dieu? Comment paraître intelligent? Comment paraître intelligent? Ah, comment être cool au lycée? Comment retenir un P? Comment reconnaître une crise cardiaque? Comment traiter une insolation? C'est ça. Mais non. Ah non, mais c'est quoi ce quiz, les gens? C'est quoi ce quiz là? C'est quoi ce quiz? Bon, bref. Comment avoir un style hardcore? Comment être lesbienne? Comment pratiquer le musicien? Comment développer vos pectoraux? Moi, je dirais voilà. Je dirais ça. Parce que les garçons, ils sont tous où derrière? Comment faire pousser sa barbe plus vite? Comment participer? Comment accélérer? Moi, je dirais la barbe. Ça me fait penser à la petite barbe. Le travail d'accouchement. C'est quoi le rapport? Comment se comporter avec une personne sarcastique? Comment développer? Comment faire en sorte que notre enfant. Comment être séduisant? Sarcastique, non? Non. Comment être séduisant auprès pour. Quel est le rapport? Comment être coquin? Comment exprimer sa joie? Comment être coquin? Comment être un mari formidable? Comment mentir? T'es malade, toi. Comment être un mari formidable? Comment réduire la pollution de l'eau? Non, comment mentir? D'accord, elle avait pas du tout. Comment apprendre le chinois? Comment parler le patois? D'accord. Comment gérer ceux qui médisent? Comment se sentir mieux en cas de rhume? Je dirais ça, voilà, effectivement, on est à 45, on va essayer d'aller à 50. Et dès qu'on sera à 50, j'arrêterai la vidéo parce que ça fait déjà presque 20 minutes. Comment satisfaire une femme? Comment faire apparaître un double? Comment faire disparaître? Comment faire des câlins? Comment faire passer le temps? Comment satisfaire une femme? Non, comment faire passer le temps? D'accord. Comment discuter? Non. Comment devenir célèbre? Comment faire un bon metteur en scène? Comment faire un cosplay? Oui! Effectivement. Comment devenir papa? Bah, je dirais ça en fait. Comment devenir papa? Mauvaise réponse. Comment être courageux? Tiens. Comment se préparer pour un rendez-vous amoureux? Comment calculer la surface? Comment piéger un? Hein? Comment se préparer à un rendez-vous amoureux? D'accord. Comment soigner? Oui. Comment s'adapter en tant que fille? Comment se sentir mieux en cas de rhume? Comment devenir? Je dirais ça. Hein? Comment devenir direct? Comment parler avec une voix plus grave? Comment être? Je dirais ça. Parler avec une voix plus grave, effectivement. Comment soigner? Oui. Comment devenir un hippie? Comment être cool au lycée? Non? Effectivement, et on est passé au-dessus des 50%. Donc, on va essayer. Voilà, bon, on est passé au-dessus des 50, hein, donc c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc, un pouce, voilà, un pouce bleu pour montrer que vous êtes content. À vous abonner, et ainsi, cela m'aiderait pour le futur, pardon, excusez-moi. Et donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour vous mettre ce que je pourrais améliorer. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, salut à tous, c'était Emric.